Christophe Gaillard est en direct de la préfecture de Nevers. Christophe Gaillard, bonsoir. Vous êtes en position de vous maintenir donc pour le deuxième tour ici à Nevers. Oui, bonsoir. Oui, c'est ça, puisque nous dépassons donc les 10% dès ce premier tour, oui. Une victoire donc pour vous? Oui, c'est une grande victoire, une belle victoire. C'était un pari risqué que nous avions fait, mon équipe et moi-même, puisque nous avions décidé de ne plus nous exprimer dans la presse locale qui nous avait savonné la planche, fait un certain nombre de mauvais procès. Et puis nous avions décidé donc de communiquer par nos propres moyens et nous avons réussi ce pari aujourd'hui. Réaction, question, Lino Mellet. Sur ce résultat, il y a quand même beaucoup de listes qui peuvent se maintenir au deuxième tour à Nevers. Vous, votre objectif, c'est quoi? Ça va être siéger au conseil municipal? C'est essayer de discuter avec d'autres listes sur Nevers? On sait qu'il y a une liste qui se dit apolitique et qui arrive en deuxième position. Est-ce que vous avez des projets? Non, nous, notre ligne politique est très claire. Pas d'alliance, pas d'union avec d'autres partis ou avec d'autres forces politiques. Donc nous resterons seuls au deuxième tour. Nous nous maintiendrons et puis nous représenterons les Neversois qui ont fait le plaisir de nous accorder leur suffrage. Et puis je pense que nous avons besoin de représenter ces Neversois puisque nous serons les seuls donc au deuxième tour à parler immigration, à parler insécurité et à parler de l'Europe comme on le fait au niveau national. Nous serons les seuls à représenter donc les Neversois à la municipalité et puis plus tard, je l'espère, dans le département, au Conseil général, à la région et puis lors des législatives, à la représentation nationale, bien entendu.